C'est parti. Yo les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog, la partie 2. Toujours à Bangkok. En rouge. Aujourd'hui, on va visiter Bangkok. Let's go! On voit une bastos. For this life I cannot change. In the hills, deep off in the main. Continue la visite. Tournée tourisme aujourd'hui, on continue. Vas-y Arthur. Like candy cane, drop the top. Bois un peu. C'est bon. Ouais, moi les miens sont délicieux. Pas se cacher. Délicieux. Verdict. Pas ouf. Ouais, les miennes elles sont pas ouf non plus. Des pures. Ta bouche chasse. Ah. Ouais, mais roi. Bon, en tuk-tuk, c'est parti. Inoubliable ce tuk-tuk, hein. Un coach. Ah mon roi, t'en penses quoi toi? Trop stylé. Alors là on a un peu de la route. Fais voir un peu ce que t'as déniché là. J'ai dégoûté un petit maillot sans maillot. La balade continue. On visite encore, on est actuellement dans le... Comment ça s'appelle ça? On est dans le Golden Mount Temple. Dernière visite de la journée. Après on va aller à la piscine de l'hôtel. 300 marches. 300 marches. 640 marches en tout.
Pourquoi 300 marches? Ah, pour la descente. Vous êtes plus en plus de flow. 320 mec, t'es en spé. T'es en spé mat, t'as 19 pas que. Ouais, ça me fait ça depuis. Genre, c'est bon, les gars, un nouveau truc anti-bot. On commence. Là, tu mets de l'eau, Barbie. Regardez la dingue. Ouais, j'ai bien de l'eau, s'il vous plaît. Ok, 344 marches. On va arriver jusqu'à là-haut. Au Golden Mount Temple. As-tu le carreau noir? Comment sa première marche? On se retrouve en haut, les gars, bisous. Let's go. Vas-y, gros. Maël, faut que je tape très fort là. Pour la vidéo. C'est bon? Ouais, les gars, on est en haut du temple. Golden Mount Temple. La vue est assez incroyable. On a la vue sur tout Bangkok. Tu vois, avec le Bob légendaire, les gars. Ok, donc les refs, on vient d'arriver dans l'hôtel. On a quitté l'académie ce matin. Aujourd'hui, on a visité Bangkok, comme vous avez vu. Donc le programme de cette semaine. Donc aujourd'hui, c'était la petite journée visite de Bangkok, parce que la semaine dernière, du coup, on n'a pas eu le temps de visiter, on n'a fait que s'entraîner. Et demain, on retourne au charbon. Je vous fais un petit room tour de la chambre. Petit room tour de la chambre, avec les petits beds. Et un samouraï qui fait sa méditation. Oula. Et donc là, les gars, on va aller à la piscine de l'hôtel. Attention, prenez son peignoir. Let's go! Regardez-moi ce chien qui est en train de faire des bruits. Où sont votre chien? Oh, les gars, je pense là. Ça change de l'académie. C'est pas le même délire. Ah. Fin de la piscine finie. Ça fait mal. Le gang des mecs en peignoir. Mais c'était sympathique cette petite piscine, hein. On y retournera. Pas mal. Cette petite journée détente, détox. Journée repos, ça fait plaisir. Voilà. Disons que la piscine voilà. Est après cette journée. Voilà, on se retrouve. Là, assez. Allez, Roumain. Voilà, assez. Ah, c'est chiant. Oh, là, tac. Le Touareg. Le Touareg du bitume. S'adapte. Je tiens pas, ouais. Demain, début de la compétition, je me sens prêt, je me sens bien. J'ai bien joué la semaine dernière. Premier match contre un Chinese Taipei en 16e de finale. Ce qui est sympa, c'est que c'est ma première compète en Asie et c'est ma dernière compète junior, puisqu'en janvier, je passerai senior. Mais c'est bizarre, c'est une page qui se tourne. J'ai hâte de jouer contre des Asiatiques. C'est pas souvent que j'ai la chance d'en jouer. J'en ai joué un petit peu, mais pas souvent non plus. Elle est très très grande, il y a 10 terrains. Il y a U13, U15, U7, U19. Donc beaucoup de matchs, beaucoup de monde. Il fera très très chaud dans la salle, environ 40 degrés peut-être.
Donc physiquement, ça risque d'être très dur. La semaine dernière, on s'est entraîné, il faisait 36. C'était déjà assez dur, mais là, 40, ça risque d'être encore plus dur. Donc faudra bien boire, faudra bien prendre son temps entre les points. Je vous dis à demain pour le premier match de la compétition. Sachant que j'ai pas dit, mais demain, on change d'hôtel aussi. Parce qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtel de la compétition. Donc on a dormi dans celui-là, hier et aujourd'hui. Donc demain matin, changement d'hôtel avant d'aller au gymnase. Donc il y aura ça aussi à prendre en compte le matin en se levant. Mais sinon, voilà, on se dit rendez-vous pour demain. Okay, donc les gars, comme prévu, nouvel hôtel. On flex toujours autant. Hein, Maelsko ? On flex ou pas là ? On est bien. Allez, allez. Hey bro, I'm making a YouTube video. Say something for the YouTube video. Hi. Hi, YouTube video. Ouais. C'est pas le vlog. God got his hand on my soul, and if I land, and he got the remote. Made it this far, it's a miracle, miracle. Anything less is cynical, cynical. Staying true, I can't lie in your interview. Tell the truth while you lie with your interview. And your acting is so hypocritical. In control, nothing more, this is minimal. Can't stop now, I'ma grind till I'm ghost. I thank God how he held me down the most. Can't stop now, gotta grind till I'm ghost. Gotta thank God how he held me down the most. Got the whole team on my back. I ain't worried about no stats. No time to compete with so and so. No time to compete with so and so. I ain't got a brand when I'm in my bag. No, no, no. Been through a lot, don't know the half. No, no, no. When I'm on drive, never lose control. Hand on the game, never lose control. It ain't my fault that I'm in control. When I'm on drive, never lose control. On a mission, on a move. Gotta go, no, no. Ain't no time to waste my time. We don't slow. Dog in dimension, we be aiming for the fences. I'm in a different dimension. Why y'all be riding the benches? Y'all could just step through the tension. Graduated from the trenches, no cap and gone. I ain't never need a handout. On my 2 feet, I'ma stand out. I ain't never take a loss now. Ain't gonna start now at the top. Ok, donc les gars, match fini. Victoire très 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 difficile. Il faisait très chaud. Là, je suis exténué. Heureusement, il n'y a qu'un match par jour. Parce que c'est vraiment très dur là, dans les conditions qu'on a. Et c'est vrai que j'ai eu très très chaud. Je perds le premier, après je perds 11-5. Et après j'ai beaucoup beaucoup mieux joué. Et je vais arriver à m'en sortir en 3-7. Donc je suis content. Prochain match demain contre un Thaïlandais. Voilà, là on a changé d'hôtel comme vous avez vu tout à l'heure. On a été upgrade parce que vu que pour se faire un peu pardonner qu'il n'y avait plus de place dans celui-là. Et du coup on a dû en prendre un autre. Là on est dans une pièce en business et on peut prendre des jus et des petits cookies gratuits, donc petite récompense pour le match. Donc franchement super journée, ça fait plaisir. Bon, du coup les gars, je viens de vous dire qu'on s'est fait upgrade. Regardez la chambre de malade mental dans laquelle on est, sérieux. Franchement, c'est un peu abusé. Ah non, j'avoue, on va se mentir que c'est un peu la hesse là. I know that they made it, she might be bad, but I cannot step out of covenant. Wow. You just wanna beg, I already had. Ba-da-ba-ba, I'm loving it. I be rapping by God, it's not a facade. I'm here for the smoke, and we'll come with it. We rapping with the mob. Why? We be tapping in with God. Yeah. I just do it cause I love him. Uh-huh. Never treat it like a job. Go. I be tripping sometime, I cannot lie, be out of my mind. Out of my head, out of my noggin. Sending praises, I'm alive. Woo. From the trap to the church, and the church to the trap, putting God everywhere on the map. We been eating too much, need to go take a nap. Then wake up, hit the gym, cause the boy ain't fat. The boy ain't fat, hear or not. Heard you working on your traps. I ain't even tryna front you. Big ol' Bible in the back. All they do it, I don't need no music. If that Bible in my bliggity, I'ma use it. Got that cross tatted on my chest, I can't lose it. Run them talking crazy, but I know I can't be stupid. They was sure got a plan, but I be talking to the man upstairs. That's big God. I be talking to the man upstairs. On my knees say a prayer. Do you hear what I'm saying upstairs? He opened up all of the doors. I know he ain't playing. Holy soldiers, it's a movement. They keep telling me to prove it.
change. We the new church, had to switch up the game. Went down in that water, can't come back the same. Yeah. Ah, salut les gars. Petite récup dans la piscine. Ouais, je flex, c'est là, je flex. Du coup, victoire de ce 8ème de finale contre un Thaïlandais. 21-18. C'était un bon match. Il jouait pas mal. Le premier, c'était assez chaud. Même si les scores, c'est les mêmes, le prostate, c'était assez chaud. C'était vraiment serré. Et le deuxième, je mène 11-2 à la pause et remonte à 11-10. Donc, je me suis fait une petite frayeur. Mais au final, je m'en suis sorti. Bah, je suis satisfait. Je suis heureux. On est heureux. Ok, donc on a bien mangé, c'est pas trop piquant en tout cas, c'était cool. Demain, quart de finale à 12h30, contre un Chinese Taipei, un mec chaud, il est vraiment pas mal. J'ai joué tout à l'heure, il a battu un Indo, donc ça va être un bon match intéressant. Donc on verra demain comment ça se passe, donc on se retrouve demain. Let's go.